Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le déballage d'une édition collector de Dragon Ball Fighter Z. On se retrouve tout de suite après générique pour le déballage. On va commencer ce déballage. Donc je vais commencer par enlever ceci. Waouh. Donc voilà pour la boîte. Je trouve les dessins super beaux. Et voilà. Donc maintenant on va l'ouvrir. Si j'y arrive. Nous avons le jeu. Hop. Ensuite, nous avons, je crois, le steelbook. Il est super beau. Et on va. Pour le steelbook, pour plus de détails, nous voyons Gohan. Goku, Vegeta contre Freezer. Cell, excusez-moi, et Boo. Donc on les voit en plein combat sur la planète Namek. Ils ont de très beaux posing. C'est une très belle image. Donc si vous voulez d'ailleurs, à l'intérieur, on voit les dégâts qu'ils font sur la planète. Je le trouve vraiment très beau. Il est super beau. Ensuite, nous avons une pochette. Ah oui, ce sont des cartes. Regardez. Nous avons Goku, le super guerrier code, et le seigneur Beerus. Elles sont vraiment belles. Donc sur celle-là, nous avons Goku en super guerrier 3, Vegeta en super guerrier et Gohan ultime. Donc toujours ce petit effet doré, les dessins vraiment très beaux. Je trouve qu'ils ont vraiment mis le paquet sur ces cartes. Et la troisième. Voici avec plus de détails des frères et sœurs Android, donc C17 et C18. Vous voyez, en plus on a un petit effet doré sur les cartes. Les dessins sont magnifiques, ils sont vraiment bien réalisés. Je trouve ça excellent. Elles sont vraiment très belles. Donc, on va continuer. Ah oui, en plus je casse tout. Avec. Non, cette fois-ci, je n'aide pas la boîte. Il me faut un couteau. Donc, on reprend. Hop. Celle-là, on peut l'acheter, c'est pas grave.
touche partout en fait. Et donc voilà la figurine, elle est vraiment super stylée, la peinture est super bien faite, franchement elle est trop belle. Je vous montre également le tour. Elle est trop belle. Donc voilà pour l'ouverture de l'édition collector de Dragon Ball FighterZ. Dites-moi si ce genre de vidéo pourrait vous plaire également. Peut-être que je ferai d'autres collectors. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez aimé, ce qui vous a déplu. Bien sûr, mettez toujours le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et mes liens sont toujours dans la description. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao !